Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'elle vous permet d'assumer le silence. Or, pour faire un silence, on s'aperçoit que si vous n'avez pas les pieds solidement accrochés au sol, si vous n'avez pas ouvert les mains, s'il n'y a pas un regard, bah, ce n'est pas un silence. Ça sera un blanc. Vous parliez de blanc tout à l'heure où il ne se passe rien, ça sera ça. Donc, c'est formidable pour les gens très timides. Ouais. Moi, je n'ai pas l'air, mais je suis très, très timide. Ah bon? Mais moi, je suis aussi. Moi, je suis un timide maladif. Venir ici, je n'ai pas dormi de la nuit, je vous le dis, parce que c'est stressant. Mais si on a ces quelques repères, ces cinq outils, en vrai, ça passe, oui, ça passe mieux. Oui, c'est génial. Est-ce que vous avez les formidable. Pieds bien j'essaie. J'essaie quand même d'appliquer un minimum. L'idée des techniques que je vous ai données ce matin, ce n'est pas de faire quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de faire du fake, ce n'est pas de faire un comédien, du Luchini ou ce que vous voulez. C'est juste de pouvoir remettre un peu ce que vous êtes, mais qui disparaît sous la pression, sous l'enjeu, sous le trac. Je trouve vos conseils formidables, Charlie. Merci beaucoup.